Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre le temps de cette émission Quelle comédie qui, comme chaque lundi à 19h en direct depuis la place Colette à Paris, rend compte de la vie et des spectacles qui animent la comédie française. Alors, et la lumière fut, être sous les feux de la rampe, ce soir, nous allons tenter d'évoquer cet immatériel qu'est la lumière, cette lumière qui, sur une scène, fait vivre corps et décors et pourtant, sans eux, n'existe pas. Nous allons raconter comment une lumière est pensée, construite, imaginée avec Dominique Bruguière, son nom rime d'ailleurs avec lumière. Elle éclaire depuis quelques décennies le théâtre, la danse, l'opéra auprès de metteurs en scène incontournables comme Claude Régis, Luc Bondy, Patrice Chéreau ou Christophe Honoré et bien d'autres. Et puis nous allons écouter aussi de quelle manière cette lumière est reçue. Dominique Blanc, 538e sociétaire du Français, va nous raconter ses émotions à ce sujet. Toutes deux ont en partage quatre expériences scéniques. Phèdre de Racine, mise en scène en 2003 par Patrice Chéreau aux ateliers Berthier. La Maison de Poupée d'Ibsen, mise en scène par Deborah Warner à l'Odéon. La Locandira de Goldoni en 2013 dans une mise en scène de Marc Paquin. Et puis en 2020 à la Comédie Française, hébergée alors au Théâtre Marigny, Le Côté de Guermantes de Proust, adapté, mise en scène par Christophe Honoré. Spectacle qui est repris, salle Richelieu, à partir du 25 février prochain. Alors bonsoir à toutes les deux Dominique B, Dominique Blanc, bonsoir. Bonsoir. Et Dominique Bruguière, bonsoir. Alors, lumière projetée d'un côté, lumière reçue de l'autre. Cette lumière au théâtre, est-ce que vous diriez l'une et l'autre que c'est un comédien supplémentaire? Alors, moi, je dirais légèrement différemment. Je dirais que la lumière est actrice, certainement. Elle est le lien, elle est ce qui enveloppe et réunit tous les éléments de l'œuvre collective que nous faisons, puisque le théâtre, c'est un art collectif. Elle est la compagne aussi du spectacle, parce qu'elle est là de la première seconde à la dernière seconde. Comme ça, elle fait le... Elle agit avec la dramaturgie, avec les acteurs bien évidemment, avec la scénographie, avec les costumes. Oui, je dirais qu'elle est actrice, vraiment. Elle fait le lien aussi, je pense, en réunissant tous ces éléments entre le collectif sur scène et le collectif dans la salle, le collectif des spectateurs. Et si possible, chaque spectateur, avec son imaginaire. Qu'elle parle à chacun. Et vous, alors, Dominique, quand vous êtes sur scène, vous diriez que la lumière est un partenaire de jeu? Partenaire. Certainement partenaire, oui, oui. Parce qu'elle nous irradie, parce qu'elle nous illumine, parce qu'elle nous accompagne, parce que on peut aussi s'en défaire, on peut aussi s'en sortir, donc on joue avec. Évidemment, on joue beaucoup avec. Et c'est essentiel. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec de grands éclairagistes comme Dominique. C'est une partenaire idéale. Mais être dans la lumière, d'ailleurs, c'est un peu... Peut-être que vous avez toujours eu ce désir d'être dans l'ombre pour mieux regarder, mieux voir, mieux éclairer. Et peut-être vous aussi d'être dans la lumière, une actrice et une créatrice lumière. C'est de deux manières, de deux côtés de la scène. Absolument. Moi, j'ai absolument besoin du noir. Le noir, c'est la matrice de la lumière. C'est ma matrice aussi. Je ne peux pas... faire de lumière si moi-même je ne suis pas dans le noir. En fait, je suis une spectatrice active dans le noir. J'agis depuis le noir. Vous appréciez cette place? Ah oui, elle est essentielle. Mais comment est né ce besoin de noir, Dominique? Probablement parce que je suis toujours spectatrice de la lumière naturelle, de la lumière de spectacle, de la lumière tout le temps, en fin de compte. Et donc, j'ai besoin d'une sorte de retrait pour mieux la capter et après la restituer sur scène. Et dès l'enfance, c'est une chose qui vous a... Oui? Ah oui?
Oui, je pense. Pas forcément d'être dans le noir dès l'enfance, mais en tout cas, d'être plongée dans l'observation de la lumière, oui. Ah oui. Toute petite. Je me suis même brûlé les yeux, je ne sais pas, quand j'avais une dizaine d'années, parce que j'avais passé la journée entière à fixer le soleil, qui me paraissait peu dangereux, parce qu'il y avait des nuages qui passaient devant. Et en fait, j'ai eu la rétine abîmée pendant quelques temps, parce que j'avais fixé la lumière depuis ma fenêtre, je crois. Donc, je crois que fondamentalement, je suis spectatrice. En fait. Et c'est cette idée, cette quête en fait, de retrouver la lumière de la nature ensuite sur une scène de théâtre. Oui, de faire rentrer le soleil dans le noir du théâtre. C'est un peu ce vers quoi je tends depuis très longtemps. Ouais. Par moments, ça marche, par moments, moins. Mais il y a quelque chose de ça. Loin du réalisme, hein, c'est pas la question. Mais en tout cas, l'évocation de la lumière naturelle, oui, elle est... ce désir-là est constant. Je disais que la lumière est impalpable, qu'elle a ce côté immatériel, une sorte de langage non-verbal aussi. En même temps, Dominique, dans ce livre qu'on voit là exposé, Penser la lumière, vous dites volontiers que la lumière est une matière. Oui, je dis aussi qu'elle est une matière, ce qui est peut-être un abus de langage, mais... plus spécifiquement, en tout cas, je considère que selon la nature des sources de lumière, selon leur qualité photométrique, ça fait des matières différentes. Certaines lampes produisent un faisceau extrêmement dense, donc au contraire, certaines autres font une lumière que je trouve plus transparente, voilà, c'est en ce sens-là que j'utilise le mot matière, et puis parce que je les tricote aussi, je les couds ensemble, je fais des mélanges de matière, effectivement. Alors effectivement, c'est un peu un abus de langage, parce que la lumière, il y a une part d'invisibilité de la lumière, qu'en fait c'est la matière qui révèle la lumière, c'est-à-dire la lumière n'est visible que si elle rencontre des corps et des objets, sans quoi elle est invisible. Oui, c'est ça, c'est parce qu'elle se pose quelque part. C'est parce qu'elle se pose quelque part. Nous la voyons, nous voyons un faisceau, parce que nous sommes dans l'atmosphère terrestre, si nous étions dans le cosmos, nous ne verrions pas du tout cette matière, en fait. Dominique, est-ce qu'il y a des lumières qu'on aime particulièrement et d'autres qu'on n'aime pas? Bonne question. Et je crois qu'avec Patrice Chéreau, j'ai pris le goût des poursuites. Alors, sujet très important. Ah, mais ça, je suis heureuse. Chapitre 1, les poursuites de Phèdre. Oui. J'ai plein de questions pour Dominique. Mais j'en ai une. Parce qu'il y a eu quelques jours de répétition, dans une salle de répétition, où on ne se rend pas bien compte des choses, mais on est quand même très près les uns des autres, et c'est un univers tout à fait merveilleux. Et puis, on s'est trouvé, tu me diras ton souvenir, Dominique, projeté dans cette espèce d'immense entrepôt. Les ateliers Berthier. Les ateliers Berthier, avec pour la première fois des gradins en bifrontal. Première fois pour moi, peut-être pour toi aussi. Aussi, oui. Alors, on est tout nu. On est tout nu et surtout, on découvre ça de jour et on est tous pris de, non pas de peur, mais de terreur à l'idée que les gens soient si proches et qu'il faille en même temps émouvoir quelqu'un dont la paire de chaussures est ici et émouvoir quelqu'un dont la paire de chaussures est au fond. Donc, c'était terriblement effrayant. Je ne sais pas. Toi, Dominique, tu vas nous raconter le souvenir que tu as eu. Et quand la nuit est venue, que les répétitions ont commencé dans ce lieu qui était vraiment exceptionnel mais terrifiant, petit à petit, les poursuites aussi sont arrivées. Et là, vraiment, la lumière pour moi, la poursuite m'a protégée. Mm-hmm. C'est-à-dire que... À la fois, je sentais le public, évidemment, je sentais les partenaires aussi, mais c'était un peu comme au cirque, finalement. C'était, comment est-ce que je pourrais dire, un peu mon paysage, quoi. Comme une sorte de filtre, en fait. Enfin, j'étais comme
dans un, je sais pas comment dire, enfermée dans un faisceau. C'est... Pas enfermée, non. Je dirais plutôt éblouie. Mm-hmm. Vous voyez, éblouie, c'est-à-dire que je peux pas discerner le public. Je peux évidemment voir mes partenaires, mais quelque part je suis protégée. Mm. Voilà. Et c'est ce que j'ai aimé magnifiquement dans Les Lumières de Dominique sur Phèdre. Mm. Parce que, elle va nous en parler, mais moi je me suis sentie protégée, mais j'ai senti aussi que toute la pièce commençait à exister véritablement mm. dans ces rapports de force, de domination, de souffrance. C'était une écriture aussi. Je sais. Comment alors, vous avez vécu, vous, Jeter Lumière avec Patrice Giraud? Bon, évidemment, terrorisée, moi aussi, bien sûr, dans cet espace. Alors, je suis vraiment heureuse qu'on en parle parce que je me suis toujours posé la question. Je me suis toujours demandé si pour vous, ça avait été une contrainte. Là, j'entends l'inverse, donc je suis plutôt contente. Parce que c'était quand même visuellement, vous étiez chacun enfermé dans votre lumière mmh. et qui bougeait avec vous. Oui. Et j'avais toujours cette vision, parce que pour être honnête, les poursuites, c'était Patrice. Oui. Évidemment, c'était lui le maître d'œuvre. Oui, oui, et oui. J'avais toujours le sentiment que ça, c'était la métaphore de la manipulation de chaque personnage, c'est-à-dire chaque personnage enfermé dans sa lumière oui. et manipulé, oui. puisque voilà cet enfermement progressait avec vous, c'est-à-dire que vous en sortiez de temps en temps. De temps en temps, il n'y avait plus poursuite, et ma tâche était juste, c'était compliqué, de faire le lien en fait entre les poursuites et entre les moments sans poursuite. Mmh. Et d'évoquer un peu le temps qui passe sur le très beau mur de Richard. Mais ma tâche était vraiment là. Mais je me suis toujours demandé si ça n'avait pas été une contrainte. Mais c'est bien de savoir qu'en fait, c'était une protection. Je peux comprendre. Oui. Enfin, je ne sais pas pour les autres comédiens, ouais. mais pour moi, une protection à un point tel qu'il y avait plusieurs jeunes gens qui étaient derrière ces poursuites. C'était 2003, hein, il y a mmh. quelques années. Et moi, j'avais établi un lien d'affection et de confiance avec la jeune femme qui me suivait. Oui, oui. Vous voyez ? Oui, oui. Ouais. Et c'est vrai que d'un soir à l'autre, évidemment, les représentations pouvaient différer. On a joué très longtemps, en fait. On a joué de début janvier à pratiquement fin juin, ce qui est quand même assez rare pour une tragédie classique. Mais il y avait ce lien qui pour moi était indéfectible. Oui. Et si jamais la jeune femme un soir s'était trouvée grippée ou je ne sais quoi, oui. je l'aurais peut-être pas su, mais j'aurais pas voulu le savoir. Oui, oui, bien sûr. Il y avait un lien qui était presque aussi pas passionnel, mais il y avait un lien d'amitié et surtout, je crois, un lien de confiance. Oui, un lien de confiance et effectivement de protection. Parce que ces quatre personnes qui manipulaient les poursuites oui. étaient totalement investies. Tout à fait. Et effectivement, là, ils étaient vraiment vos partenaires. Oui. Ça, c'est absolument c'est clair. Et alors, je vais dire une chose, c'est que au cinéma, donc on a le chef opérateur, et moi, ou chef opératrice, c'est quelqu'un avec lequel je vais établir assez... En tout cas, je vais établir un lien. Mmh. Après, le lien subsistera ou pas. Mais au théâtre, je me suis rendu compte que j'avais tellement de... Je ne peux pas dire autrement. De respect et d'estime pour le métier d'éclairagiste que sur Phèdre et sur Maison de Poupée, un peu moins sur Goldoni et un peu moins sur Guermantes, mais tu m'as toujours beaucoup impressionnée et je n'ai jamais osé t'approcher pour te dire... Alors, là, qu'est-ce que tu vas faire, par exemple, dans cette séquence, là, Dominique, tu vois cette séquence comment? Je n'ai jamais osé. Tu t'en es rendu compte? Oui, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. Parce que je pense que c'est une telle concentration, mm-hmm. à la fois sur la mise en scène, à la fois sur les comédiens, le décor, les costumes, etc., que je me dis, je ne peux pas... c'est comme si j'allais voir quelqu'un qui joue une scène en lui disant « Dis donc, je voulais te dire... » Vous voyez ? Mais c'est peut-être parce que vous avez senti aussi que le métier que fait Dominique de créer ses lumières, c'est aussi un métier qui se fait beaucoup, qui s'ancre beaucoup pendant ce temps des répétitions. Bien sûr. C'est en amont,
Évidemment, vous allez nous raconter, Dominique, comment vous faites. La maquette est le premier partenaire. Mais finalement, à vous lire dans ce livre et à vous avoir vu travailler aussi, on a vraiment cette impression forte que c'est pendant ce temps de répétition de voir les acteurs, de voir le metteur en scène régler aussi le dessin qu'il a pensé, que tout de suite vous allez finalement donner naissance vraiment à vos lumières. Oui, absolument. C'est ce que j'appelle la période de composition, en fait. Avant, c'est une réflexion sur l'espace, très précise, très géométrique, très cartésienne, en fait. Et après, pendant les répétitions, moi, je suis là pour recevoir, en fait, toutes les interprétations, toutes les émotions qui sont dégagées, tous les imaginaires, je les reçois et j'essaie de retranscrire les émotions que ça provoque chez moi en même temps ou avec un léger décalage. Mais c'est ça l'histoire, en fait, profonde. C'est ça le... Mais à Berthier, moi, j'avais un souvenir très, très précis. Il y avait Patrice d'un côté et oui, en face. Oui, absolument. C'était vraiment comme deux, comment on peut dire, deux pôles, quoi, oui, qui étaient oui, extrêmement importants. Mm-hmm. Alors, comment tu prépares en amont, par exemple, pardon, hein, je vous en prie. par exemple, pour un des quatre spectacles. Toujours de la même façon. C'est ouais, vrai que la maquette du décor, c'est le point de départ. D'accord. Et donc, ça peut se passer très, très, très en amont de la première répétition, même de la construction du décor. La maquette, les plans, c'est vraiment, c'est le point de départ. D'accord. Parce que il faut que je trouve comment inscrire géométriquement la lumière dans la géométrie de l'espace qui m'est donné. D'accord. Il y a donc, des décors impossibles? Oui. Il y a des décors impossibles et je refuse quelquefois des projets parce que je vois, je sens que la lumière ne va pas pouvoir exister comme j'aime qu'elle existe. Ça m'arrive de refuser et c'est toujours pour les mêmes raisons. C'est parce que en analysant le décor, je me rends compte que ça ne marchera pas avec le type de lumière que j'aime. Comment vous les définiriez, ces lumières que vous aimez, qu'on sent évidemment qu'ils viennent de la nature, mais... Si vous pouviez nous les décrire. Je fais de la lumière spatiale, en fait. Pour moi, c'est de l'espace, c'est du volume, et il faut que ce volume puisse exister. Donc, pour ça, il faut que c'est un peu technique à expliquer, mais ce sont vraiment des rapports géométriques. Il y a une cage de scène à l'intérieur de laquelle il y a un décor qui a sa géométrie lui aussi. Mmh. Et moi, il faut que je trouve quelle est la bonne distance pour que tel projecteur produise telle plage de lumière à l'intérieur de l'espace qui m'est donné, par exemple. Ça, c'est un exemple de base. Et plus c'est grand, mieux c'est? Pour moi, plus c'est grand. L'espace, la galaxie. Plus c'est grand, mais Berthier, c'est pas mal. Voilà, Berthier, c'est pas mal. Ou l'Opéra Bastille, ou voilà. Mm-hmm. Parce que plus. Les opéras aussi, sûrement. Voilà. Ouais, plus une source est lointaine, plus en fait elle me ramène à l'idée du cosmos. Mm-hmm. En fait, il y a toujours cette idée du faire rentrer le soleil à l'intérieur du noir des théâtres, etc. Mm-hmm. Il y a cette chose-là, mm-hmm, en fait. Vous avez dit que plus elle fait rêver. Alors. Ça dépend qui. Enfin, je ne sais pas si elle fait rêver tout le monde. En tout cas, moi, elle me fait beaucoup rêver comme ça. Oui, quand j'ai la sensation qu'il y a un extérieur des murs du théâtre et que de cet extérieur va parvenir une lumière. Et ce qui est assez magique, c'est que quand on aime tant la nature, par essence, les lumières ne se reproduisent jamais. Et vous, avec votre art aussi, vous réussissez à faire que ce miracle d'une lumière d'un soir, d'une lumière d'un rose, d'une lumière plus crue, etc., vous pouvez le reproduire. Disons l'évoquer, parce qu'en fait, ce n'est pas de la reproduction, ce n'est pas de l'imitation, c'est l'évocation de la lumière extérieure. Et puis ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus mental, évidemment, mmh, de beaucoup plus abstrait. Ce n'est pas systématiquement la lumière naturelle. Et c'est pas dans la reproduction, c'est dans l'évocation. Mmh. C'est ça qui me paraît important, en fait, au théâtre. Mmh. On n'est jamais dans le réalisme, en fait. Nous, dans le jeu, c'est évidemment, possiblement, mais pas dans l'image. Mmh. C'est,
C'est pas ça qui est intéressant, en tout cas. C'est de l'ordre de l'évocation. Oui, bien sûr. Quand vous avez dit que vous vous sentiez protégée par cette lumière, Dominique, ça me faisait penser à un costume aussi. De temps en temps, on peut se dire un acteur se sent protégé par un costume. Dans quelle mesure le costume, c'est quelque chose qui rentre en compte quand on construit une lumière? Et dans quelle mesure la lumière est une forme, peut-être, quand elle est comme ça, si proche de costume? Le costume et puis la couleur du costume aussi, j'imagine. Pour toi, c'est très important. Mmh. Moi, les costumes, c'est un grand sujet que je ne développerai pas forcément ce soir. Parce qu'il est vaste. Oui, il est vaste. Ça, si on s'en réfère à Phèdre, par exemple, nous étions... pas forcément tout le monde, mais enfin, moi, j'étais en noir, en tout cas. J'étais veuve. Non, pas tout le monde. Non, justement. Oui, oui. Ce qui fait qu'au niveau de la lumière, j'imagine que pour toi, il y avait un effet noir et blanc, quelque part. Mais à part ça, il y avait beaucoup de couleurs. Énormément, puisque Marina était en bleu. Pascal Grégory était en rouge. Rouge magnifique. Flambant, sublime. Et Eric était... Il me semble qu'il était en bleu aussi. Ah oui, voilà. Donc ça, très important. Très important. J'imagine pour toi, essentiel. Oui, dans ce cas-là, c'est vrai. Mais quand on me pose la question des costumes, je dis une chose que normalement je ne devrais pas dire, c'est que je ne m'en préoccupe. Alors, autant je travaille sur la scénographie, je ne travaille pas du tout sur les costumes, parce que pour moi, c'est toujours une fête quand les costumes arrivent, en fait. Oui. Ça ne m'est jamais arrivé de me retrouver en contradiction avec les costumes. Je ne sais pas par quel miracle. Oui. Donc, en fait, c'est toujours une lumière en plus, l'arrivée des costumes. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas... Je ne m'en préoccupe pas en réalité. Oui, oui, et puis c'est vrai, comme tu dis, que c'est une fête. Dans le processus de création, il y a un moment où c'est désiré, puis ça arrive et c'est... Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de choix. Beaucoup de choix. C'est-à-dire qu'il y a une grande place aussi pour l'intuition. Vous parliez de cette œuvre collective. C'est vrai que dans le théâtre, il y a cette manière d'aller conjuguer sa propre sensibilité à celle d'un metteur en scène. Des autres, de tous les autres. Et à tous les autres. Bien sûr. Il y a une interprétation aussi. En fait, la lumière, c'est une interprétation supplémentaire qui s'ajoute à toutes les interprétations, puisqu'en fin de compte, tous les acteurs au sens large de l'œuvre collective ont une interprétation de l'œuvre source, que ce soit la pièce de théâtre ou l'opéra. Évidemment, on n'est pas en... Comment dire? On va puiser dans l'œuvre source, dans la pièce ou dans l'opéra, tous à notre échelle, mais on va aussi puiser dans l'interprétation du metteur en scène, l'interprétation du scénographe, l'interprétation des acteurs. Enfin, c'est vraiment c'est ça aussi qui se passe. C'est un mélange de sensibilité, d'imaginaire, d'intelligence aussi. Ah oui, c'est ce qui fait qu'on peut aussi retomber sur des mêmes textes et les interpréter tout à fait différemment. J'imagine que vous avez éclairé des textes, oui, quelquefois, peut-être, oui. Voilà, plusieurs fois, et selon la mise en scène, de la même manière que vous avez incarné des personnages et selon ce qui est choisi. Je me demandais quelle était l'importance que vous accordiez à la lumière quand même d'un texte. Est-ce qu'avant même une maquette, avant même quelque chose, un texte? Alors, moi, j'ai une position un peu peut-être particulière, c'est que je m'efforce d'oublier ma propre lecture, parce que ce qui est fondamental pour moi, c'est la lecture qu'en fait le metteur en scène. Puis après, il y a la lecture que va faire le scénographe de la lecture du metteur en scène. Donc déjà, moi, j'ai deux lectures avant la mienne. Et en fait, c'est très important. C'est-à-dire que mon rapport direct à l'œuvre, je le mets un peu de côté. Je suis obligée. D'accord. Est-ce que vous diriez la même chose? Ah non. Non. Le texte, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est la première pierre, c'est évident. Et en même temps, évidemment, quasiment le metteur en scène ou la metteuse en scène, oui, c'est certain. Mais le texte, il faut qu'il y ait de la beauté, il faut qu'il y ait du désir, il faut que... Alors pour le coup, c'est notre matière à nous. Bien sûr. Ah, c'est évident. Donc, moi, j'y tiens énormément. Mm-hmm.
Il y a Christophe Honoré qui vous réunit avec ce Guermantes, et il dit à propos de la lumière, dans le postlude de ce livre, la lumière est le point de fuite des émotions que le récit dissimule. C'est donner à la lumière la place vraiment d'une narration. Oui, il y a un récit. Il y a un récit qui vient pas redoubler le récit du texte ou de la musique s'il s'agit d'un opéra, mais il y a un récit qui vient s'entremêler, un récit supplémentaire. C'est sûr, parce que en fait la lumière crée du temps, elle crée de l'espace, mais elle crée aussi du temps. Rien que par ça, effectivement, il y a un autre récit qui se développe, qui peut être sous-jacent, n'est pas forcément spectaculaire. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive avec la lumière, qui n'existe pas avant elle, avant qu'elle n'arrive. C'est un peu prétentieux ce que je dis, non? Non, pas du tout, c'est très clair. Mais justement, question. Bah oui. Tu étais sur le tournage de Guermantes. Oui. Et j'ai beaucoup apprécié ta présence. Mais pour toi, quel était ton ressenti? Parce qu'il y avait un chef opérateur, évidemment, et qui était aussi cadreur avec son frère, je crois. Comment tu as vécu, toi, ça, cette expérience de 15 jours de tournage avec... À la fois, on est allé en extérieur, à la fois, on a tourné en intérieur, on a tourné dans des lieux très petits. Comment tu agissais, toi? Alors, moi j'avais une position très marginale, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais là pour... dans les moments où nous étions dans la cage de scène, dans le d'accord, décor de Guermantes, ouais. Avec toutes mes sources à moi, que Rémi Chevrin, le chef opérateur, ne connaissait pas vraiment. En fait, j'étais là pour ça, pour les moments où nous étions dans le décor de Guermantes. Par ailleurs, c'était très sentimental ma présence sur le tournage. C'est comme puisque nous sortions de cette épreuve terrifiante du confinement qui nous avait arrêtés en plein vol 3 ou 4 semaines avant la première, et que nous ne savions même pas si le théâtre allait exister encore, ni si le monde allait exister encore. Et ce tournage a été joyeux, miraculeux. Ça a été un grand moment de bonheur de complicité, de réunion. Enfin. Ce que souligne Dominique aussi, c'est vrai, c'est cette différence entre le théâtre et le cinéma. C'est un choix que vous avez fait de ne pas vouloir éclairer au cinéma. Absolument. Et là, j'ai refusé très vite, puisque ici même, j'ai travaillé avec Youssef Chahine, qui avait monté Caligula d'Albert Camus, grand cinéaste. Youssef est homme tout à fait remarquable et qui, à la fin de la création, m'a dit « Mais Dominique, il faut que tu viennes en Égypte faire mes films. Je veux absolument que tu viennes faire mes films. » Alors c'était pas... Oui, avec tout son charme levantin et son intelligence et son... Et sa séduction. Et sa séduction. Et j'ai dit « Non, je n'ai pas du tout envie de faire de cinéma. » Et vraiment, c'est un choix très, très clair. Je suis très cinéphile, mais je n'ai jamais eu envie de faire de cinéma. Parce que c'est quoi? C'est ce parce qu'il y a trop de... fébrilité du... Oui, absolument. Ici, maintenant, de la chair sous mes yeux, de la lumière dans les mains, directement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de médium entre... Pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et la lumière. C'est vraiment la matière que je peux travailler comme ça en direct. On a évoqué Guermantes qui va être pris au mois de février. C'est un spectacle choral, comme les aime Christophe Honoré, où il y a du son, des lumières, énormément évidemment de sentiments, de cadres qui changent. On est tantôt dedans, tantôt dehors, il fait tantôt jour, tantôt nuit. On apporte aussi des lumières sur la scène. Il y a un plaisir particulier à éclairer ce genre de projet très, je disais, très choral, très... Ah oui, Guermantes, c'est magnifique. J'ai tout aimé dans Guermantes. L'adaptation de Proust qu'on a fait, Christophe, qui m'a touchée vraiment. C'est trop magnifique. Ce très beau décor, j'ai tout aimé, vraiment. Ça a été un très grand bonheur de faire
de faire la lumière. Et Guermantes. Les ombres sont très présentes. Dans Guermantes ? Oui. Je n'ai pas le souvenir. Ah oui ? Oui, je ne sais pas. Moi, j'ai le souvenir de voir sur ce sol, sur ces dalles, de voir les ombres. Attends, j'ai l'impression. Des noirs aussi. J'ai l'impression que c'est quand même très. Pardon, vous l'avez vu à Marigny ? Ah oui. Très, très clair, très limpide. Ouais. Pas si contrasté que d'habitude, mais voilà, c'est déjà un peu, peu loin dans ma mémoire. Ce qui était extraordinaire à Marigny, c'est que le cul du théâtre ouvrait sur l'avenue des Champs-Élysées. C'était... Comment faire, salle Richelieu, je ne sais pas. Je ne suis pas inquiète parce que Christophe Honoré va certainement trouver. Mais pour nous, dans Tes Lumières, il y avait... de la jouissance à jouer le dimanche après-midi avec une lumière de jour et le même bonheur à jouer le soir avec les bougies et toute la profondeur. Et les réverbères au loin, jardins, dans les jardins. Tout ça, c'est extraordinaire, vraiment. Et ces deux lumières fonctionnaient complètement. Oui, enfin, absolument. J'en ai un souvenir aussi. Tout à fait. Et pour nous, c'était la même magie, ce qui ne devait pas être évident. Ben, je veux dire, pour toi, ça devait être compliqué de se retrouver d'un coup avec l'extérieur. C'était surtout en plein jour. Voilà, c'est ça. D'un coup, il y avait un impact lumineux. Je me souviens que l'orientation faisait qu'on avait quand même beaucoup de... Mais vraiment, le soleil qui rentrait pour le coup. Oui. Le soleil qui rentrait vraiment en direct et qui faisait un éblouissement très très violent. Donc, il a fallu que je fasse un peu deux versions, une nocturne et une diurne. Le jour, il fallait que je compense un peu l'intensité du soleil en mettant un peu plus de puissance dans ma propre lumière. La peinture, comme la nature, est une source d'inspiration. Oui, constamment. Ça, c'est grand bonheur. Même si, comme le disait Patrice, nous ne sommes pas des peintres. J'aimais bien quand il disait ça. Et je pense qu'il le disait de manière, pas spécialement pour la lumière, mais de manière collective. Nous qui faisons du théâtre ne sommes pas des peintres. Et alors, c'est la même chose qu'avec la nature. Il ne s'agit pas du tout de reproduire sur scène quelque chose qui aurait à voir avec la peinture. Ben, ce sont des référents sous-jacents qui sont différents selon les textes, selon les spectacles. Et il y en a qui vous accompagnent plus que d'autres ? Dans la vie, ça change selon mes humeurs et puis ce que je vais voir. Et par rapport au spectacle, ça vient, ils arrivent tout seuls. C'est-à-dire que, voilà, il peut y avoir une référence qui vient sans que je la convoque. Y a tellement de peintres que j'aime. Mais quand vous avez travaillé de façon approfondie avec des metteurs en scène, je pense à Claude Régis, je pense à Luc Bondy, à Patrice Chéreau déjà, mais qui vous avez travaillé longtemps, vous diriez qu'il y a une galerie de peintres qui pourraient aller avec chacun de ces metteurs en scène. Est-ce qu'au fil du travail, de travailler avec Patrice Chéreau, les décors qu'on évoquait, de Richard Peduzzi, est-ce que ça évoque comme ça une sorte de palette particulière ? Est-ce qu'il y aurait une palette Chéreau, une palette Régis Palette, je ne sais pas, des styles très différents. J'ai fait des choses très très différentes parce que c'était des créateurs très très différents. Mais je pourrais pas parler en termes de palette, je crois pas. Mais de style, oui, évidemment. Bien sûr, grande différence. Ça, c'est quelque chose aussi que vous ressentez, vous. Le style. Est-ce que vous diriez qu'un... un metteur en scène a un style et que de spectacle en spectacle, par exemple Patrice Chéreau. Oui, bien sûr. Oui. Oui, mais c'est le style de la personne et sa sensibilité. Quand j'ai lu ton livre, je ne m'étais pas rendu compte. Pardon, mais je réponds à la question en fait par une question. Je ne m'étais pas rendu compte que tu avais autant travaillé avec quelqu'un que j'adorais, qui est Luc Bondy. Oui. Et Luc travaillait avec aussi des décorateurs extrêmement différents. Oui, très différents. Et ça se passait comment ? Dois-je répondre à la question ? Je ne suis pas sûre. Ça dépend.
Parce que moi, j'ai connu Luc Bondy à Nanterre en... Pardon, hein, mais en 1983-84, je crois. Et Terre étrangère, il y avait un décor assez extraordinaire avec un terrain de tennis qui était à moitié présent sur le décor et tout ça. Ouais. Après, on s'est pas perdu, mais on ne s'est pas retrouvé dans le travail. Mais je crois qu'il a eu des décorateurs très différents aussi. Très différents. Il y a eu Richard souvent. Voilà. Petuzzi, pardon. Oui. Il y a eu des scénographes allemands. Et là, c'est inutile de me demander comment elle s'appelait, parce que ça va être lamentable. Donc, il y a eu plusieurs scénographes allemands. Là, ça a été plus compliqué pour moi. Parce que Luc, en fait, il était moitié culturellement, moitié culture française. Oui, esthétiquement, ça dépendait vraiment du scénographe avec lequel il travaillait. C'est-à-dire, tantôt, c'était le côté français, tantôt le côté allemand. Côté allemand, l'esthétique, on ne sommes pas les mêmes. Non, c'est clair. C'est clair. Et je me souviens d'une... Voilà, c'est une anecdote, oui. je la raconte. Nous faisions Idoménée à la Scala de Milan. Et le scénographe, dont j'ai oublié le nom, scénographe allemand, qui avait une grande renommée, qui était probablement un artiste très important, un jour a poussé la porte du théâtre, il est rentré en disant en allemand cette lumière française c'est de la merde. Je parle pas allemand mais j'ai très bien, il l'a dit très très fort, j'ai très bien compris ce qu'il était en train de dire. Et là Luc a quand même eu une réaction très violente en lui disant bon, tu retournes à ton hôtel, non, c'est pas, enfin, voilà. Donc, j'ai eu des frictions, mais souvent en Allemagne, j'ai eu des frictions parce que, effectivement, on n'est pas sur le même. Oui, on a des sensibilités. Oui, très différentes. Très différentes. Oui. C'est-à-dire, on se méfie beaucoup du beau en Allemagne, quand même. Oui. Je le vérifie à chaque fois. Et donc, quelquefois, on est un petit peu puni parce qu'on est un petit peu trop dans le beau et pas suffisamment dans le sens. Oui. C'est le sens qui prédomine. Bien sûr. Et pas la beauté. Et d'ailleurs, quand vous avez commencé, il y avait une époque fascinante de création au théâtre, de metteurs en scène absolument exceptionnels. Vous avez choisi votre école. Enfin, vous avez. On a choisi notre époque. Non, mais moi, ce qui m'a plu, dans le livre, c'est que nous avons quelques points communs, dont celui d'être, toi et moi, autodidactes. Voilà. Tu n'as pas fait d'école et moi non plus. Voilà. Paraît important. Oui, c'est important. C'est une force et une faiblesse, les deux en même temps. Exactement. Mais le temps joue vers la force, non? Ah oui, oui, oui. Et puis. C'est une solitude aussi. Oui, c'est important. C'est une solitude aussi. Oui, c'est trop. Oui, non, absolument. Mais oui, qui demeure? Parce que peut-être au départ, mais est-ce qu'après, ça s'efface? Oh oui, au fur et à mesure. Oui. Mais je pense que c'est assez rare dans ta partie d'être autodidacte comme ça. Et puis d'être une femme. Oui. Et puis d'être une femme, alors là... Oui, on n'en parle même pas. Là, on a... Non, mais si, quand même. On a le temps de parler de... Non, mais quand même. C'est... Ah, mais non, mais bien sûr. Mais parce que c'est un univers... Enfin, ça, en plus, ça l'était il y a 40 ans, c'était vraiment... Mm-hmm. Oui, on a dû te considérer comme une... Enfin, est-ce qu'on t'a laissé rentrer ou... À peine, hein, il a fallu que je pousse tes coudes, il a fallu... Probablement. Plein de choses, comme trouver des stratagèmes pour pousser les portes, pousser les garçons, dire voilà, mais j'existe aussi, je suis légitime, je vais vous raconter des histoires que vous ne connaissez pas, voilà, je vais inventer de nouveaux récits... Poussez-vous un peu. Oui, bien sûr, ça a été compliqué, par moments violent même. Bien sûr, c'était. Je ne sais pas d'où ça m'est venu de faire ce métier. Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a un moment, une sorte de choc fondateur qui donne les ailes, qui donne le courage nécessaire à faire tomber ces barrières et à pousser les bras? Oui, il y en a eu un. Et toi, est-ce qu'il y en a eu un? Chacune alors, les deux autodidactes, quel a été le... Alors le tout premier, je le raconte souvent, mais j'ai bonheur à le raconter à chaque fois, donc je raccourcis l'anecdote. Par hasard, ma voisine,
notre voisine à Lyon quand je suis adolescente, qui s'appelait Madame Blanc, sonne un jour pour dire « Oh, écoute, j'ai deux places de théâtre, j'ai pas le temps d'y aller, tu veux pas y aller ?» Elle me tend deux tickets, voilà. Bon. Et je me retrouve au TNP, je suis lyonnaise, hein, donc je me retrouve au TNP de Villeurbanne, que je crois que où je suis allée enfant. Mais là, je suis ado, je ne sais pas du tout ce que je vais voir. Et je suis dans la sidération, parce qu'en fait, ce que je vais découvrir, c'est Massacre à Paris, mis en scène par Patrice Chéreau, la pièce de Marlowe. Or, c'est absolument la matrice de ce que sera des années plus tard la Reine Margot. Mais pour moi, c'est un choc. C'est un choc parce que... Est-ce que c'est Dio qui a fait les lumières à ce moment-là? Je ne sais pas. Pas sûr, peut-être qu'il les faisait tout seul, oui, Patrice. C'est possible, parce qu'il les faisait quand même beaucoup tout seul. Oui, oui, oui. Et c'est le massacre, c'est la nuit de la Saint-Barthélemy, donc c'est noir. Et il y a énormément d'eau sur scène, ce qui est une chose pas courante du tout. Mais c'est une splendeur absolue, quoi. Donc, je ne connais pas les acteurs, je sais qu'il y avait Alida Valli, il y avait Roger Planchon. Quand je relis la distribution maintenant, évidemment, je vois qui c'est. Mais moi, je découvre tout ça, je dirais, pleine tête. C'est vraiment un choc. Et je suis toute seule. Finalement, j'ai pris les deux places toute seule. Et oui, c'est une sidération et c'est quelque chose qui est encore présente dans ma mémoire, vous voyez. Mais je pense que ça restera jusqu'au bout. Ça, c'est le premier choc. Ah bon ? Alors, peut-être que le premier choc, c'était la cour d'honneur avec Jean Villard, quand j'étais petite. Ouais. Donc, les trompettes continuent à résonner. Ouais. Mais le vrai choc, c'était... alors, avec, pareil, ce genre de sidération, la première mise en scène d'Hamlet de Mesquich, puisqu'il en a refait après, à la Maison de la Culture de Grenoble, dirigée... Alors, par Georges Lavaudan. Oui. Et voilà, je découvre tout d'un coup. C'est la puissance d'évocation du théâtre dans son ensemble. Et je vois tout de suite, comprends tout de suite que c'est là où je veux être. Mais là, avec la lumière. Donc, je prends le théâtre en pleine figure en me disant, mais c'est incroyable. Et dans le théâtre, il y a cette chose-là de la lumière qui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mm-hmm. Il y a ces mots qui s'écrivent sur une page blanche et cette lumière qui s'écrit forcément sur du noir. Ah. Le noir qui est la matrice. Ben c'est ça. Ben oui. Parce que c'est de la compas. On a évoqué la peinture tout à l'heure. Pierre Soulages. Ah. Qui disparaît il y a quelques jours. On ne peut pas s'empêcher de penser à ce noir, à cet outre noir. Quel est votre rapport d'ailleurs chacune, hein, au noir? Parce que le noir au théâtre, quand on est sur la scène, ça annonce des choses, ça clôt quelque chose, enfin voilà. Et à Soulages. Alors, moi, le noir a été très important sur Phèdre, puisque Phèdre veut dire la lumineuse ou quelque chose comme ça. Et qu'en fait, à partir du moment où elle arrive, elle dit au revoir à la lumière, elle salue le soleil. Donc, le jeu, quand on disait au début de l'émission que la lumière était partenaire, évidemment que ça a joué aussi beaucoup. Le noir, moi, je l'aime aussi énormément. Il protège beaucoup. Il me fait penser à un autre artiste avec lequel on a travaillé ici, qui est Lars Noren, qui était toujours habillé de noir, qui a mis en scène ici Poussière. Je ne sais pas si tu l'avais vu, qui était vraiment un très, très beau spectacle. Le rapport avec Soulages, ça a été... un choc et une déclaration d'amour immédiate. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois, surtout dans son atelier, ce qui était merveilleux, parce que je ne pouvais pas imaginer un peintre travailler avec autant d'outils qu'il fabriquait lui-même. Donc déjà, l'immensité des toiles, et puis des outils, franchement, j'imaginais ça de façon beaucoup plus classique. Bon, l'entretien a dû être assez rapide parce que je pense qu'il n'avait pas énormément de temps non plus. Mais ça a été un choc de découvrir l'outre noir et de découvrir la première toile où il passe une nuit à ne rien trouver. Il dit d'ailleurs qu'il était dans les marécages de la pensée. Enfin, il y a quelque chose de très poétique là-dedans. Et puis, tout d'un coup, à l'aube, une chose s'est affirmée
avec ce mot d'outre-noir. Et pour des raisons familiales, je vais à Rodez chaque année et je vais toujours à Conques. Voilà, pour les vitraux. Pour les vitraux. Bien sûr, de la l'abbatiale. Et je vais toujours à Rodez au musée, qui est par ailleurs un musée dont l'architecture est une grande réussite, parce que c'est un musée tout ouvert, qui est vraiment populaire, et dont la lumière naturelle, justement, n'abîme pas les œuvres. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui veillent là-dessus de façon certainement très précise et très scientifique. Mais c'est vraiment un endroit où il faut se rendre. Vraiment. Et vous, Dominique, alors, ce rapport au noir, à Soulage et à pas Soulage? Le rapport à Soulage, alors je suis toujours un petit peu embarrassée parce que je trouve l'œuvre passionnante. Je pas beaucoup d'émotions, en fait. Mais son travail est tout à fait fascinant. Mais c'est parce que souvent on m'en parle, en fait, s'il devait être mon référent, alors que ça n'a strictement rien à voir. Oui. Il a travaillé la matière. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé avec un matériau en trouvant la façon de faire que la lumière puisse se réfléchir sur ce matériau noir. Bon, c'est ça qui est fascinant. Oui. Et en plus, il y a ce travail sur la matière et la réflexion par rapport au regardeur qui, selon où il est placé en face du tableau, voit différemment les reflets, on perçoit certains et pas d'autres. Ça, c'est sûr que c'est tout à fait passionnant. Mais en fait, quand je me réfère comme ça à un peintre, pas forcément dans son travail, mais il y a une phrase de Claude Monet qui me fait vraiment rêver. Claude Monet disait « Je veux peindre l'air. » Ah. Donc, je veux l'impossible. Ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment rêver. Ah oui, je comprends. Voilà. Loin de la matière, en fait, pour le coup. Et c'est ce noir qui, sans doute, accuse les autres sens. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Enfin, je veux dire, évidemment, le noir, c'est l'alternance de noir et de lumière qui crée le relief, qui crée la profondeur, qui crée la temporalité aussi. Enfin, le noir appartient à la lumière et réciproquement, pas de lumière sans noir. Comme on sait, voilà. On pourrait faire un décor uniquement de lumière. Oui, bien sûr, ça arrive. Il m'est arrivé de travailler dans des cages de scène vides, avec juste le volume de la cage de scène, et voilà, où la lumière fait l'espace, fait le décor. Est-ce que c'est plus agréable que quand il y a un décor, ou est-ce que... C'est différent. C'est différent. Ouais. D'accord. La cage de scène devient un décor, en fait. Ah oui, d'accord. Ok, je comprends. Voilà. Mais alors, on n'a pas cette maquette pour... On a la maquette de la cage de scène, on a les dimensions de la cage de scène, on a le volume de la cage de scène. Donc la cage de scène devient le décor. Mais on n'a pas de fenêtre. Disons qu'on n'a pas d'excuse. On n'a pas d'excuse de dire non, mais là, la lumière ne passe pas bien parce que le décor. Voilà, là, on est entièrement responsable de ce qui advient. Bon, vous allez vous retrouver donc sur ce Guermantes qui reprend à partir du, je crois, 25 février et qui va courir jusqu'au mois de mai. D'ici là, chacune est sur bien des projets et on peut évidemment trouver ce très beau livre, je vais le dire pour ceux qui ne voient pas, donc Penser la lumière, Dominique Bruguière. Ce sont des entretiens avec Chantal Hureau publiés au Temps du Théâtre, Actes Sud. Papier. Un grand merci à toutes les deux. Merci à vous. Les deux, Dominique D. Merci. Merci beaucoup pour cette émission. Et puis, grand plaisir d'avoir vu que c'était pas si courant, en fait, de se parler forcément entre une créatrice lumière et pendant des productions, je veux dire. Non. C'est vrai que souvent, on n'a pas le temps. En tout cas, on ne se l'accorde pas. Non. C'est ça. C'est vrai. Et maintenant, c'est une chose que je vais modifier. Et chaque jour de répétition de Guermantes, je pense que je vais aller te voir derrière ta console pour t'arrêter.
Et un grand merci évidemment à Arthur Lenoir et Mathilde Maury pour cette émission. Rendez-vous comme chaque lundi, lundi prochain. Vous serez dès 19h en compagnie de Béline Dollard. Bonsoir et merci encore à toutes les deux. Merci.